Allez, ça y est, on y est. Salut Pierre. Salut Hervé. Finale du UEFA Champions League, c'est ce qui est au menu aujourd'hui. Avec deux équipes qui ont réalisé un parcours exceptionnel jusqu'ici, maintenant il va falloir gérer cette nouvelle pression. Le Real contre Manchester City, c'est une affiche qui est certainement appelée à se répéter au plus haut niveau des compétitions européennes dans les années qui viennent. Ouais, ça nous rappelle déjà une demi-finale de Champions League avec un seul but sur l'ensemble des deux matchs pour le Real. Pendant des années, on en a parlé du fameux stade qui remplacerait un jour le stade Vicente Calderón. Maintenant, on l'a sous les yeux et il est quand même pas mal. Ouais, il est magnifique, il n'y a rien à dire, mais bon, moi je suis toujours un peu nostalgique de l'ambiance de Calderón, même si je me souviens que pour un Atlético Barcelone, j'avais été malade comme un chien. Du rythme, un ballon qui circule à toute vitesse, c'est une équipe qui va essayer vraiment d'imposer son jeu avant ce match. Oui, ça peut être très déstabilisant pour l'adversaire de voir le ballon passer d'un joueur à l'autre sans jamais le toucher, ou rarement. On va voir comment ça se passe. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. Ah, c'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend de